viens du monde du digital. Ah, le monde du digital. Ah, celui-là, il est fort quand même, hein. Le digital. Le monde du digital. C'est quoi ça, le monde du digital? Le monde des doigts? Ah ben oui. Parce que digital, c'est ça, hein. Tout ce qui est relatif aux doigts. Voilà. Les empreintes digitales, par exemple. Ou les nerfs digitaux, ouais, les nerfs qui sont dans les doigts. Nous, on a une vision qui est audio-digitale au sens large du terme. Oui, alors l'audio digital, ben, ça doit être quand on se met le doigt dans l'oreille, quoi. Moi, je vois que ça, moi. Je ne m'en lasse pas. Non, en fait, le mot en français, hein, pour qualifier tout ce qui est traduit par des nombres, tout ce qui est informatisé, dématérialisé, c'est pas digital, c'est numérique. C'est ce qui est relatif au nombre. Ah oui. Parce que tout est codé avec des zéros et des 1. Voilà. Mais alors pourquoi cette épidémie de digitalisation? Et Arthur, lui, vient du monde du digital, au global, hein, sur la publicité digitale. Le marché de l'audio digital. Un passionné d'audio et aussi de digital. Le monde de la radio qui est en train de se digitaliser. Eh oui, tout le monde est digital, tout le monde vient du monde du digital, et tout le monde aime le digital. Eh ben comme d'habitude, ça vient de l'anglais. Eh oui, comment qu'on dit chiffre en anglais? Digit. Cherche pas plus loin. Digital, ça veut dire numérique en anglais. Alors donc, pour aller plus vite dans le monde survolté de la start-up nation, tu diras digital et puis c'est tout. Enfin, si t'as pas peur de passer pour un ringard quand même, hein, parce que d'après mon dico, où qu'il est mon dico? Ah oui, là-bas. Oui. D'après mon dico, d'après mon dico, digital, ce terme d'informatique emprunté à l'anglais tend déjà à vieillir. Oui, mon gars, comme je te le dis. Il est généralement remplacé aujourd'hui par numérique. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Alors, tu vas me faire le plaisir de te moderniser un petit peu, hein? Si tu veux pas te faire taper sur les doigts. Enfin, sur les chiffres, je veux dire. Enfin, oh, j'en perds ma langue, moi, dis donc. Rock and roll music anyway.